Ну, короче, здрасте, всех с Новым годом. Играем в Blacktails. Точнее, третий раз перезаписываем уже с Лёлей. Из-за проблем небольших и больших. В общем, второй год проходим. Третий раз. Все. Сегодня у нас Лёля будет играть. Да, Лёля? Поздоровайся. Alors, je te dis, ce n'est rien qu'un bateau. Il s'appelle la Rascasse. Il porte malheur, ce poisson. Tout porte malheur avec toi. Allez, reprends ta patrouille et essaie de pas t'endormir. On se rapproche. Rascasse. C'est rigolo comme nom. On continue. Continuez à couiner, je m'en prie. Occupe-toi de celui-là! Paré au combat! Par ici! On a de la compagnie! Désolé! J'ai aucune chance! On va les attraper! Où est passé ton copain, hein? Avec moi, vite! Les intrus sont là! Sale bleutre! Vous pouvez pas m'affronter sale! Vite! Il faut arrêter ces intrus là-bas! Ne bouge pas! Ce sera bien! J'ai besoin d'aide! Tu aimes ça? Est-ce que ça va? Continuez à couiner, je m'en fiche. Ces soldats sont une honte. Des hommes ne valent pas mieux. De seuls font rien. Pas de quoi être fier. C'est ça, les mercenaires. Venez par ici! Quelqu'un! On fait quoi, monsieur? Viens là, toi! Avec moi, vite! Les intrus sont là! Ils savent qu'on est là! On va les attaquer. Ils peuvent pas être loin. Fais tes prières. Là, vite. Par ici. Les laissez pas s'échapper. Ils arrivent! Ah ah C'est eux! Oh non!
получится. Avec moi.
pas mal. Tu es indemne. Petit. Короче, если мы убьем чем сверху, то все. Les intrus ici, avec moi. Ils savent qu'on est là. Arnaud, occupe-toi de celui-là. Yeah, viens là, toi. T'as perdu. Les intrus, par ici.
Ferme les yeux. J'ai besoin d'aide. Venez-moi. On fait quoi, Amicia? Tu ne souffriras pas. Sortez, bande de foussards. J'ai vu quelqu'un! Bougez-vous! On a des intrus! Ils sont quelque part là-haut! Venez me chercher! Tenez-vous! Il y a des intrus! Ils sont cachés là! Vite! Je m'occupe d'eux! C'est ces salauds! Monte.
Arnaud, occupe-toi de celui-là. Par ici. On a de la compagnie. Vous pensez que vous êtes bien caché? Restez où vous êtes. Il est à toi, Arnaud. Ça a l'air sûr. Oui, ça ira. C'est là, Amicia. On peut aller le voir en attendant Sophia. Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Et le comte veut me mordre vive.
Tout va bien? Non. On se connaît à peine, et j'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer toi aussi. T'as repris ton souffle? On peut y aller? Alors, voilà la rascasse, c'est ça? La seule et l'unique. J'espère qu'ils l'ont pas abîmée. Arnaud, où est Hugo? Je suis là. C'est incroyable! Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre dans la cabine, tu es trempé. Oui! Alors, comment on met ce rafio à l'eau? Va lever l'ancre avec Amicia pendant que je vérifie la route vers la Kuna. C'est la manivelle à la proue. Je m'en charge. Oui. Oh, ça pèse son poids. C'est une ancre. C'est fait pour ancrer. Oh, c'est bloqué. Sophia! Je crois qu'ils ont bloqué l'ancre. Oh, les abrutis. Allez sur le ponton avec la manivelle. Ça contrôle la chaîne. Foutu rat. Tu peux faire quelque chose? Je vais voir. Moi, je pense que c'est Adolf. Le dîner est servi. Joli tir. La voie est libre. Sophia n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Ça change en fonction du vent. Elle m'en doit une de toute façon. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir tuée quand on m'en a donné l'ordre. Je vois. C'est cette chaîne qui bloque l'ancre. On y est presque. Ton frère verra bientôt la Kuna. J'espère, oui. Maintenant, levons l'ancre et mettons les voiles. Il t'aime bien, alors. Tu dois savoir. Hugo est mourant. Quoi? Son sang est empoisonné. Si un remède existe, il est sur cette île. Alors il faut tout faire pour l'emmener là-bas. On y arrivera. Amicia, est-ce qu'on part? Et qu'est-ce que j'ai dit? Retourne dans la cabine. Oui, capitaine. Finissons-en avec cette ancre. D'accord, allez. Oui, on a réussi. On va quitter cet endroit. La voile ne se lève pas de mon côté. Elle devrait. Sophia, viens. Pas encore. Salopards ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper? Oui. Va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile, surtout. C'est vrai.
dans cette famille ou quoi? Tout va bien. Je te tiens. La mer est tellement calme. Rien que l'horizon. Profite-en. Hé, Moussaillon, encore à ton poste? Quelque chose à signaler? Une île, peut-être? Pas encore. Mais c'est si beau! Les couleurs changent tout le temps. Et j'ai vu des gros poissons. Peut-être même un dauphin. Fantastique! Ça te dérange pas que ta vieille sœur reste avec toi? T'es pas si vieille. Et dis-moi, comment Sophia fait pour savoir comment aller à Lacuna? Avec des instruments, probablement. Il y en a sûrement quelque part. Bonjour. Oui, il est beau, ton bouclier. Il fait son travail. Il m'a sauvé plus d'une fois. Oh, j'aime bien l'oiseau dessus. C'est un griffon. Moitié lion, moitié aigle. Donc tu as à moitié raison. C'était mes armoiries. Le courage et la ruse. C'est tout moi. Nos armoiries, c'est un arbre. C'est aussi un bon blason. Force, stabilité, sagesse. Oui, c'est tout à fait nous. Allez, viens, Hugo. Salut. Hey, les enfants terribles de la tempête. Je crois que quelqu'un a une question. Comment tu connais le chemin vers Lacuna? La mer est tellement grande. C'est simple, les sirènes. Elles connaissent toutes les routes. Quoi? Mais elles sont où? Est-ce que je peux les voir? Elles sont timides, tu sais. C'est pour ça que j'ai aussi des instruments et des cartes. C'est assez technique, mais je suis plutôt maligne, alors... Oh, oui. Les sirènes, c'est un meilleur moyen. Ça te dérange si on jette un œil à tes instruments, Sophia? Non, mais les cassez pas, ou je vous jette par-dessus bord. Je suis sérieuse. Ça sent bizarre. Oui. Ça sent comme... si on était dans des dizaines d'endroits en même temps. Cette arbalète nous a sauvé la vie. On serait pas ici sans Joseph. Il serait content de savoir que tu l'as. Oui. J'essaierai de m'en montrer digne. C'est la mer Méditerranée. C'est joli. Et utile. Tu vois, Sophia l'utilise pour trouver la bonne île. Regarde ça. Waouh ! C'est un diamant ? Je ne pense pas, mais c'est forcément précieux. N'y touchons pas. Allons dans la cale. Totalement C'est vraiment à elle tout ça? Sans doute, oui. À moins qu'elle l'ait volé à son équipage. Hé, regarde, une boussole. Je peux la tenir? Oui, mais fais attention. Elle est lourde. Cette aiguille indique toujours le nord. Elle bouge quand je bouge. Dans ce cas, arrête de bouger. Voilà, l'île est au sud, c'est ça? C'est justement par là qu'on va. Je peux la garder pour jouer? Oui, mais ne la casse pas, hein. Sauf si tu veux affronter Sophia. Allez, monte. Oui. Hugo et Amicia, au rapport. Oui, on est là. On sait. Ну просто в первой части я вроде с ней был, но как-то мало, что ли, они общались. Ah oui, c'est celui d'Arnaud. Dire que je l'ai entendu ronfler même en pleine tempête. Elle a dû voyager beaucoup pour réunir tous ces objets. Et elle va sûrement les revendre illégalement. Non, c'est ta mission qui est trop doverчивая.
des livres. Assez rares. Des книги довольно редкие. Вот еще чья-то почивальня. И вон там сзади еще. Да, наверное. Потому что этот спит в этой каюте, нет, где он так пистолет. Alors, il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé ? Oui. La seule fois où il n'a pas su protéger. Toi ? Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh. Je vois. C'est un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier. Je comprends ce que tu veux dire. Continue à veiller sur ton frère. C'est ça qui te sauvera. C'est déjà le cas. Hé, hey, vous deux! La voile penche à bâbord. J'ai besoin d'aide. Va tirer sur la corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. Je m'en charge. J'adore faire ça. C'est bon de mon côté. Arnaud? Écoutez tous, je suis le capitaine de Rune et je dis qu'on doit aller au sud. C'est la boussole qui l'a dit. Vous devez obéir à la boussole. La boussole, notre seigneur et maître. Des animaux. Ils viennent peut-être d'Afrique. On dirait qu'Hugo a joué avec. J'espère qu'il a rien cassé. Ça m'a fait tellement de bien de herbe et onguent. Ce qu'elle a donné à Hugo a bien fonctionné. J'espère qu'il se sent mieux. Quel beau lit. Notre capitaine a bon goût. Collier, bague. Une dame plutôt élégante, cette Sophia. La mer Méditerranée. La Kuna devrait être quelque part ici. Celle-là... celle-là. Cette odeur de l'encens, ça sent tellement bon. Salut. Мне нравится, как она стоит такая. Cela doit être exaltant de piloter un navire. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Oh, Allez, tu risques pas de nous faire couler. Alors ? C'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Merci de nous aider. Remercie Arnaud, c'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien, mais... Amicia ! Amicia ! Oh, le devoir m'appelle, désolée. Pas de problème. Merci. Amicia, viens! Là-bas, je vois quelque chose. Qu'il y a là-bas. On le trouvera ensemble. Comme de vrais explorateurs. Oui. Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le magister Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis content d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et... j'aime bien Sophia.
Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. On ne voit plus le continent. Mère, Lucas, j'espère que vous allez bien. Вот un лук, который взял сюда. Вот. А ну где-то там он остался. Звукается. Tout le monde, par ici. À mon tour. Moi, je reste. J'ai deux ou trois choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait, ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentille. D'accord ? D'accord. Lacuna, voici pour toi, mon enfant. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Hugo le Juste. En effet, pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir, tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Au revoir. Bon. Ça commence plutôt bien, non? Je me demande ce que l'Église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Prie pour que nous aussi. Allez, venez, Votre Majesté. On est dans mon rêve, Amicia. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau, ouais. Mais maintenant, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Je vais marcher au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y, vite. Oui. Une minute. J'ai entendu à propos de son rêve et...
Je voudrais vous aider, mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Alors, c'est... C'est un peu étrange, mais... Eh ben... Vas-y, Hugo. Oui, dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage et j'étais malade et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'eau qui m'a guérie. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau, arbre, eau. Ça pourrait être n'importe où. Mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. Ah, c'est incroyable! Tant de couleurs, de parfums. Amicia, est-ce qu'on peut parler aux gens de mon rêve? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens, on ne sait jamais. Peut-être plus tard. On nous a parlé d'un étang avec de l'eau au pouvoir de guérison. Vous sauriez où il se trouve? Aucune idée. Mais durant les jours radieux, il y a beaucoup d'occasions d'être béni. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un grand oiseau sur cette île? Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Tu en verras peut-être. Eh bien, merci pour votre temps. De rien. Pas d'étang. Des oiseaux, oui, peut-être. Prêt. Oui. Tout droit venu du jardin de le notre mère. Le festival de cette année semble plus animé que d'habitude. Je pense qu'il y a deux fois plus d'étals que la précédente. Venez voir mes fleurs, parfaites pour les festivités. Le porc rôti est prêt. Qui en veut? Des beaux tissus magnifiques, apportés lors des jours radieux. Il y a quoi par là? Des chèvres. Tu veux leur dire bonjour? Elle est gentille. Bien sûr qu'elle l'est. Vas-y. Allez, n'aie pas peur. Elle s'appelle comment? Lucinda. Lucinda. T'es une gentille chèvre, Lucinda. Elle t'aime bien. C'est vrai? Ça veut dire je t'aime, mon chèvre. Tout va bien. Elle m'a crié dessus. On dit bêlé. C'est comme ça qu'elle parle. C'est une chèvre, tu sais. Les chèvres sont comme ça. Bah, c'est pas gentil. Tu as eu peur, c'est tout. Allons-y. Merci, monsieur. De rien. Au revoir. J'avoue que elle m'a fait sursauter, moi aussi. Ce serait un bon moyen de désorienter l'ennemi. J'ai hâte de t'entendre bêler au combat. La prochaine fois, peut-être. Tu savais que les chèvres avaient aucune dent de devant? Comme certains de mes hommes. Bon, essayons de nous renseigner ici. Bravo pour les décorations, tout le monde. Si vous voulez toujours aider, on a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. Bonjour à vous. Bonjour. Nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang. C'est très précis. Quelqu'un connaît? Désolé, ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien... L'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien, merci quand même. Je vous en prie. Pourquoi ils savent pas? Les rêves sont les contes de l'âme à demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Les danseurs et les musiciens sont en place. Les festivités vont commencer. Approchez! Ah, j'ai hâte de voir ça! Allons-y!
Oh, Amicia, on peut y aller aussi. Ouais, bonne idée. Madame. Huile d'olive, herbes, tout ce qu'il vous faut à votre table. Il est beau, mon poisson gros et frais, tout frais du port. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Oh. Jeu d'adresse! Venez mesurer votre adresse! Oh, un jeu! Allons jeter un œil. C'est gratuit! Tentez d'attirer la faveur de l'enfant des braises! Bien le bonjour. On peut jouer? Bien sûr, c'est simple. Lancez un pot dans chaque couronne. C'est fini quand vous n'avez plus de pot. Ne faites jamais deux jets dans la même couronne, compris? Bien, voyons comment je m'en sors. Tu vas gagner! Le contraire me décevrait beaucoup. Chut, j'essaie de me concentrer. Oh, bon sang. Oh, c'est pas bon. Oui! Continue! Détruis-moi ces couronnes! Eh bien. Pas mal. Oh, très impressionnant. Merci. Mais pas bien non plus. Tu as bien visé. L'écoute pas. Bon, allons voir le reste. Il n'y avait pas tout ça dans mon rêve. Mais j'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai. Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, sois pas si déprimant. Des champs! Ils sont là! Ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie! Mais pas autant! Bon, on se concentre. Ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi! C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Grand Place. C'est le meilleur moment. Au fait, qui est cet enfant des braises? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique? C'est un dieu païen. Et pacifique. Oui. Comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé? Oh, on sait jamais. J'aimerais bien te voir danser. T'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer, alors. La marche de la dévotion a commencé. La procession arrive. Oui, Lucia, vite! Béni soit l'enfant des braises. Béni soit la mère. Ils sont là. Thank you.
Est-ce que tu voudrais les bénir avec...